chrétien, on est au service d'un Dieu qui défend le droit et la justice. Si on a lu la Bible, on sait que c'est un refrain qui revient tout au long de la Bible. La défense de l'opprimé, la défense du droit, la défense de la justice. Je pense que dans la situation de la guerre d'Algérie, c'est ça qui nous a motivés. Novembre 1954. La guerre d'Algérie éclatait au grand jour. Elle emporterait sur ses traces des drames terribles qui déchireraient les communautés. Quelques Européens comprendraient les revendications du peuple algérien. D'autres recevraient avec stupéfaction la violence inouïe du conflit. Fille de petits pieds noirs, des échos me parviendraient, tous empreints d'amour pour ce pays et ces gens d'Algérie avec lesquels des amitiés avaient résisté. J'écoutais les récits, recevais les larmes, les souvenirs, les rires ou les colères, et découvrais un jour, bouleversé, l'histoire de prêtres qui s'étaient engagés pour l'indépendance. Certains avaient été accusés d'atteinte à la sécurité, emprisonnés, poursuivis. La réalité était tellement plus subtile pourtant. Ces prêtres étaient engagés avant tout sur les pas de l'Évangile. Ils ne niaient pas la réalité tragique vécue également par tout le peuple européen, ce peuple si loin des caricatures et des amalgames exposés au grand jour. Mais l'engagement de ces prêtres ouvrirait aussi un autre regard. Ils agissaient au nom de leurs convictions sur la dignité intrinsèque des hommes et de leur droit de vivre libre. Aucun film n'a raconté leur histoire, et ces hommes, pris dans la folie d'une guerre sans nom, se sont enfouis dans l'oubli. J'ai voulu leur rendre hommage. La communauté chrétienne, qui était majoritairement catholique d'Algérie, elle a été terriblement secouée, comme tout le monde, et terriblement divisée. Et le clergé a été divisé. Parce que les catholiques en Algérie, c'était les Européens. Donc c'était ceux qui faisaient partie de cette population coloniale, colonisatrice, quel que soit leur statut aux uns et aux autres. Et beaucoup de prêtres, et c'est logique, étaient solidaires de leur communauté, surtout quand il s'agissait des petits pieds noirs, des gens humbles. Quoi. Mais en même temps, il y avait le mouvement de l'histoire. Et c'est ce qui a fait qu'un certain nombre de prêtres d'Algérie, d'évêques, se sont engagés aux côtés du mouvement indépendantiste. Présents en Algérie, bien avant le déclenchement du conflit, ils firent le choix délicat de soutenir ce qui faisait écho à leur conscience. Le légitime désir d'indépendance d'un peuple dont ils savaient les aspirations, les rêves, les espoirs, les révoltes. Louis Augro, Pierre Mamet, Alfred Béranger, Jean Urvoas, Bernard Boudourès, Christian Cor, Monseigneur Duval, le cardinal Liénard, Robert Davessy, Jobbik Kerlan et tant d'autres encore. Qui se rappelle aujourd'hui de leur histoire? Ces gens qui se sont engagés aux côtés du peuple algérien, ils n'étaient pas anti-français. Certains ont été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, pour, comme s'ils étaient des traîtres à la nation française. Mais non, en fait, c'est qu'ils avaient, encore une fois, compris qu'ils étaient dans le mouvement de l'histoire. Ces prêtres n'ont aucunement voulu nuire à leur pays, encore moins, comme l'ont imprimé certains journaux, collaborer à des actes criminels. La mission de France a constamment rappelé qu'elle réprouve le terrorisme. Reste que ces prêtres ont voulu considérer les Algériens comme des frères, que Dieu notre Père à tous nous demande de comprendre, d'aimer, donc d'aider. Ils ont voulu ainsi leur manifester le vrai visage de l'Église, c'est-à-dire son amour pour tous les hommes, qui se traduit par la fraternité, le respect des autres, la promotion de la justice et de la paix. Oh, combien de petits pieds noirs auraient aimé poursuivre ces sentiers d'amitié et de confiance qu'ils avaient tissés avec leurs amis algériens au fil du temps, au fil des galères partagées,
solidaires bien souvent, dans une vie précaire et chaleureuse, insouciants face à la révolte grandissante qui se muait loin d'eux encore hier et arrivait aujourd'hui dans leur présent avec la fulgurance d'une insupportable évidence. Car, loin de leur regard, bien d'autres réalités existaient, des injustices profondes tissées elles aussi au fil du temps et que la guerre désormais faisait apparaître. Moi, je crois qu'on a une vision assez fausse de qui étaient les Européens d'Algérie. La majorité des Européens d'Algérie, c'était des petites gens, c'était des pauvres. C'était même des gens qui avaient été proscrits pour certains d'entre eux au moment de la Commune en 1871. Après l'écrasement de la Commune, ben, il y a des révolutionnaires, anarchistes, socialistes qui sont exilés en Algérie. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Espagne. Toute une partie de la région d'Oran était une région peuplée de gens d'origine espagnole. Il y avait des gens de Malte, d'Italie, et beaucoup de gens très pauvres. Il y avait des Suisses qui avaient immigré en Algérie, qui étaient des pauvres Suisses. Donc il y avait une population très modeste, bon, qui après a été encadrée par des gens qui, eux, avaient des intérêts, et qui n'étaient pas forcément en Algérie d'ailleurs, qui étaient dans l'Hexagone. Et ils ont été emmenés dans... on pourrait dire le système colonial qui était pensé d'abord à Paris. Hein, on a fait en sorte que les Européens, malgré eux peut-être, se sont retrouvés à part des musulmans. Et quand il y a eu la revendication indépendantiste, eh bien eux, parce qu'ils étaient français et que leur père, grand-père était né là, ils se sont retrouvés contre le mouvement indépendantiste majoritairement, quoi. Il y a eu quelques pieds noirs qui ont été avec le mouvement indépendantiste, mais ça a été très minoritaire. Donc je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit, la complexité de cette colonisation de peuplement de l'Algérie, ou ce peuplement de colonisation de l'Algérie, et pas le regarder de manière manichéenne. Et malheureusement, la guerre après durcit les choses. Et puis les attentats, la violence, le cycle de la violence... a fait qu'à un moment donné, la séparation était inévitable. Aucun être humain ne veut la guerre, les massacres, les trahisons. Aucun être humain ne veut subir l'injustice. Et en Algérie, chacun croyait de bonne foi à la légitimité de ses actes. Alors, dans ce conflit à l'issue pourtant inéluctable, des êtres humains tuaient d'autres êtres humains, les massacraient, les torturaient. Pris en étau, dans cet insupportable engrenage de violence, les prêtres rappelés et les séminaristes appelés alertaient avec force leur hiérarchie sur ce qui était en train de se passer sous leurs yeux. Nous abordons enfin le sujet le plus immédiatement douloureux pour nous, celui de notre présence sacerdotale dans cette guerre. Cette présence, un silence obligé, nous semble trop souvent une approbation tacite de ce que nous venons de décrire, tant aux yeux des chrétiens qui nous entourent qu'au regard de la population musulmane qui a les yeux fixés sur nous, prêtres. Plusieurs d'entre nous en débattent dans des situations inextricables, pris entre la solidarité qui les lie à des camarades de combat et la proclamation de la vérité évangélique qui reste notre souci profond. C'est pas un engagement dans une demi-mesure. Voilà. C'est pas un engagement dans une demi-mesure. Parce que la demi-mesure pourrait être, voilà, dans un acte, je sais pas quoi, charitable. Non, c'est enfin, en le relisant, c'est vraiment un engagement dans une fraternité à honorer. Et cette fraternité honorée, ben, elle va jusque-là. Ce sont des gens qui vont faire des enquêtes sociologiques dans les quartiers, qui vont créer des associations. Jobbik Erland, très vite, il crée une association qui s'appelle Entraide Fraternelle et dans laquelle participent l'imam de Soukaras et le rabbin. Donc du coup, ils créent des liens. Ils créent des liens avec... et ils ont une connaissance de la société.
Par exemple, Jobbik Kerlan, il est très proche de Badji Mokhtar. Badji Mokhtar, c'est un militant nationaliste. Il a été arrêté en 1950, il a été torturé, il a subi le supplice de la baignoire, la Gégène. Il rencontre Jobbik Kerlan en 1953. Il raconte en fait son histoire et ce qu'il vit, et il lui dit que de toute façon, ses aspirations nationalistes maintenant n'ont plus de limites. Et Badji Mokhtar va faire partie de la réunion des 22, du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui décide le déclenchement de l'insurrection le 1er novembre 1954. Donc c'est déjà vraiment quelqu'un qui est au fait de la guerre, et il est très ami avec Jobbik Kerlan. Donc, quand l'équipe de Soukaras est à Soukaras, elle partage la vie des Européens, elle est au service des Européens, mais elle est aussi au service de la population la plus pauvre. Et très, très vite, en fait, ils essayent de créer des liens entre tout le monde. Et comme ils sont conscients, ils ont l'information sur la façon dont les Algériens sont arrêtés, très vite, ils vont créer une association d'aide aux familles de détenus. Donc, du coup, ils récoltent des médicaments, ils font de l'aide pour trouver des logements, ils font une aide un peu concrète. Et ça, c'est assez mal perçu par une partie de la population de Soukaras, pas par tout le monde, mais par vraiment une partie. Et très vite, ils vont être dans le collimateur du maire, du commissaire de police. Et très vite, on va les accuser un peu de servir de base logistique des militants FLN. Et puis les sermons, ils sont assez virulents dans leurs sermons. Ils appellent à la fraternité avec la communauté musulmane. Ils dénoncent les violences dont la communauté musulmane est victime. Et ça, c'est perçu comme une forme de trahison. Donc si bien qu'au mois d'avril 1956, il y a une mesure d'expulsion. On leur demande de quitter le presbytère. Donc, l'équipe est composée de Jobbik Kerlan, de Louis Augros, le premier supérieur du séminaire de Lisieux, et de Pierre Mamet. Donc ils sont expulsés au départ pour leur activité plus politique que religieuse. Donc ils seront largement soutenus par leur évêque et par l'évêque de la Mission de France, par Mgr Liénard. Ils sont quand même expulsés. On leur demande de quitter le territoire. L'Évangile, elle a besoin de témoins. Ça, c'est des prêtres qui ont vraiment témoigné de ce qu'est l'Évangile, de cet esprit de justice, de fraternité. Enfin, c'est... Ils ont vraiment vécu comme des frères avec la population musulmane. Moi, je n'y étais pas, hein, mais je pense que ces prêtres qui tenaient des paroisses qui étaient fréquentées par des Européens, ce n'est pas les musulmans qui allaient dans l'église, mais je pense qu'ils s'en tenaient à une position justement d'annoncer l'Évangile, et qui n'était pas une position politique, c'était une position évangélique, qui a été comprise par un certain nombre d'Européens, d'ailleurs. L'expulsion des prêtres de Soukaras a une portée considérable, car c'est la première fois que des prêtres catholiques sont présentés comme des complices des félagas. La presse s'empare de l'événement, et la police, craignant un soulèvement, avertit la communauté musulmane que 13 de ses membres seront fusillés au moindre mouvement. Le cardinal Liénard fait paraître une déclaration de soutien à ses prêtres. Le rôle d'un prêtre, c'est d'être avec les gens. D'un prêtre catholique ou orthodoxe, ou d'un pasteur protestant, en ce sens que nous sommes les disciples d'un Dieu qui est venu partager notre humanité. Les disciples d'un Christ qui vient de Dieu et qui est venu se mêler à l'humanité en choisissant lui-même, enfin choisissant. C'était dans la logique de la révélation biblique. Voilà. Mais Jésus, il a été un juif de Galilée, d'abord. Parce qu'il fallait bien qu'il soit quelque part. Et il a été solidaire de son peuple. Alors, il n'a pas été un militant, mais il a été solidaire de son peuple. Voilà. Donc je crois que c'est ça. C'est... Les chrétiens, me semble-t-il, ils prennent au sérieux l'incarnation. Donc ce n'est pas étonnant que parfois ils se retrouvent pris dans des situations... très diverses et même opposées. Quoi. Mmh.
comme nous sommes incarnés, on ne peut pas être incarné de partout. Moi, j'ai connu des prêtres qui étaient les enfants de pieds noirs. Mais c'est sûr que... ils sont incarnés pieds noirs, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est, je pense que c'est important, l'incarnation. Mais ce qui est important aussi, c'est que, quelle que soit notre incarnation, mais nous sachions être toujours attentifs aux appels de l'Esprit de Dieu et que nous essayons à chaque fois d'être disciples. Voilà. Parce que le chrétien, c'est être disciple. C'est celui qui met ses pas dans ceux de Jésus. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le terrible engrenage de la guerre, attentats, répression, torture, vengeance de torture, transforme des êtres humains en monstres. Des ordres absurdes, innommables, sont prononcés depuis le gouvernement colonial et mis à exécution, de plus en plus couramment, dans un monde devenu fou où l'on arrache les âmes. Des militaires ne savent plus où est le bien, où est le mal. Des combattants du FLN se livrent aussi à des actes barbares envers leurs frères musulmans qu'ils considèrent trop modérés dans la lutte. La spirale de la haine détruit tout sur son passage, avec au centre des hommes, leur désarroi, leur détermination, leur revendication pour la liberté. Alors, il y a des choix que les prêtres doivent assumer au-delà des souffrances de chacun, des choix qui conduiront à l'indépendance, à la paix indispensable, des choix qui honorent, déchirent ou interrogent. L'Église de France a été profondément marquée par la guerre d'Algérie. Et le clergé de France a été profondément marqué parce que une grande partie de ceux qui sont devenus prêtres ont été séminaristes pendant la guerre d'Algérie, ont été appelés pendant la guerre d'Algérie. Je ne sais pas le chiffre exact, mais il est assez important. Soit de séminaristes qui ont été appelés pendant la guerre d'Algérie, soit de jeunes prêtres, soit de prêtres qui ont été rappelés, parce qu'il y a eu les rappelés aussi pendant la guerre d'Algérie. Alors ça a été un bouleversement très important dans leur vie. Et ça a joué sur l'Église de France. En ce sens que ces hommes qui pouvaient vivre dans un milieu clérical, je pense aux séminaristes notamment, tout à coup, ils sont arrachés à leur séminaire, ils se retrouvent dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, et dans quelle vraie vie ? Dans la violence, dans la guerre, dans la peur de la mort, dans des situations où parfois, ils doivent faire des choses qui vont contre leur conscience. Un éclat de grenade dans le bras. Je me bats loyalement. Mais c'est tout ce que l'on peut me demander. Je voudrais me battre avec amour, si l'on peut dire. Peut-être considérez-vous que j'ai passé de l'autre côté. Je n'ose plus écrire à Ahmed, car j'ai honte de lui parler comme autrefois en ami. J'ai tiré sur ses frères et mes amis. Expliquez-lui tout, vous. Dites-lui de ne plus m'en vouloir. J'ai voulu protéger la vie des copains. Je ne sais si je dois regretter d'avoir tiré, prié pour moi, car ça devient terrible, Paul.
dont je vais vous parler m'est très pénible et surtout, je vous demande de ne pas en parler à mes parents. Ils se feraient trop de bile. Le 30 décembre, nous sommes tombés dans une embuscade. 3 copains ont été tués, 2 autres blessés. J'ai blessé un Algérien qui était en train de tirer sur les copains. Il a été fait prisonnier par la suite et maltraité, puis achevé. C'était atroce de voir les nôtres s'acharner sur ce pauvre gars. Puis le douar, au-dessus, a été cerné. Et 4 hommes, dont 2 innocents, j'en suis certain, ont été tués. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a bouleversé. Chaque fois que j'y pense, ça me rend malade. Se sont trouvés dans des situations de guerre pour lesquelles ils étaient évidemment pas prêts, mais en tout cas, ils étaient contraints, quoi, puisqu'on a appelé, on a mobilisé des appelés, c'était pas simplement une armée de métiers, hein. Je me souviens, quand j'étais à Grenoble, d'avoir mangé un soir avec un jeune qui était en permission, et qui revenait de l'Algérie, et qui m'expliquait qu'ils entouraient quelques villages et qui tiraient jusqu'à ce que plus personne ne bouge. Alors je lui manifestais je ne sais quoi, enfin, en disant « écoute, c'est quand même bon ». Et il me disait « mais de toute façon, nous, on ne peut pas faire autrement ». Et puis le lendemain, je l'ai rencontré, et puis il m'a dit « bah, tu sais, c'est toi qui as raison ». Mais bon... C'est pour dire que ces jeunes, ils étaient pris dans un espèce d'étau entre des choses abominables pour lesquelles ils étaient quasiment obligés. D'ailleurs, on a souvent dit que les jeunes appelés qui revenus en France ne parlaient pas de leur guerre d'Algérie. Ils restaient bloqués sur ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient plus ou moins fait. Et c'était comme un sujet un peu tabou. Ils ne se sentaient pas pour en parler. Comment dire l'indicible? Comment exprimer l'inexprimable? Désemparé, désappelé se confie aux prêtres. Les musulmans veulent leur indépendance, c'est bien. Mais nous, on est ici, malgré nous. On aspire à retourner en France. Alors, pour en finir au plus vite, on bousille tout. Ça n'existe pas de pacifier avec l'armée. Dès janvier 1957, les quartiers d'Alger sont quadrillés et des milliers d'individus sont contrôlés chaque jour, au hasard, ou interrogés dans des centres occultes. L'année 57, c'est l'année de la bataille d'Alger et de la généralisation de la torture. Et les prêtres de la Mission de France connaissent des prêtres qui sont appelés ou rappelés en Algérie, et ils reçoivent des documents, notamment le journal de bord de Gilbert Ruffnac, et c'est Jean Urvoas, qui a plus tôt, qui reçoivent des lettres, et notamment une lettre de Stanislas Hutin, dont le frère François-Régis Hutin a été séminariste à la Mission de France. Donc il communique ses documents à ses camarades, ils reçoivent ses lettres, et dans ses lettres, en fait, ses prêtres témoignent des faits de torture dont ils ont été témoins. Et notamment Stanislas Hutin, il raconte que dans une des opérations à laquelle il a participé, ils ont arrêté un Algérien et son fils d'une douzaine d'années, et que dans la nuit, ils ont entendu hurler, et qu'ils ont imaginé que le papa était torturé. Or, le matin, ils ont appris que c'était l'enfant qui hurlait. Donc, ils sont très, très choqués de ces faits que l'armée française puisse pratiquer de la torture, que certains membres de l'armée française puissent pratiquer la torture. Et du coup, ils l'écrivent à leurs camarades de la Mission de France. Les ponts créés entre l'Algérie et la France
permettent aux terribles informations de remonter au grand jour. Dans une brochure éditée par le Comité de résistance spirituelle, les prêtres recopient les mots des soldats désemparés et les font circuler pour réunir tous les catholiques, alors que la guerre les divise de plus en plus profondément. Les 24 documents réunis sous le titre « Des rappelés témoignent » sont des journaux de bord, lettres, notes, de jeunes soldats livrant leurs poignants récits de guerre, leurs peurs, leurs ennuis, leur désarroi face à la torture. Bien là, j'étais en train de retrouver une lettre aux communautés de la Mission de France dans laquelle se situe une réflexion qu'on avait eue en 58 sur le problème de la torture. Une réflexion pastorale. Et il y avait un jésuite, le père Martelet, qui nous avait aidés, qui était venu pour le problème de la torture, en particulier des jeunes qui reviennent d'Algérie et qui sont dans un premier temps assez dans le mutisme, enfin, qui ne parlent pas de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. On était avec dans une Jeep, et puis c'était 1h30 de l'après-midi, et j'entends un coup de feu derrière moi, juste s'arrête, et on voit un gars qui était tué par terre, une balle dans la tête. On a ramassé le gars qui avait été assassiné, là. Hein. On l'a chargé, puis on a dit on va l'emmener à l'hôpital pour soigner. Et il y a eu un moment où la Jeep, qui n'est pas très très bien rembourrée, elle a fait un sursaut. La tête du gars que je tenais à ma fille, et sa cervelle est tombée sur mon pantalon. Je suis remonté chez moi, dans ma piôle, parce que je trouvais que c'était tellement, comment dire, horrible que j'ai rien dit. Cette scène-là, pour moi, elle a été... je l'ai enterrée 40 ans. Quand elle est ressortie, elle était intacte. Des 55 prêtres rappelés se sont retrouvés au Borge, Saint-Antoine, les 4 et 5 mars. Ils venaient de régions très différentes, représentant l'ensemble du territoire algérien. Ils ont décidé unanimement la rédaction de ce texte, pensant qu'il était de leur devoir de faire savoir dans quelle situation, trop souvent douloureuse et souvent périlleuse pour la foi, ils se trouvent. Il leur semble très important de noter dès le départ que les réflexions suivantes ne s'inspirent d'aucune opinion politique et ne tendent à aucune prise de position sur les solutions possibles aux problèmes algériens. C'est très délibérément et très nettement sur le plan sacerdotal et pastoral qu'ils veulent se placer. Ce sont les inquiétudes concernant les valeurs morales et religieuses engagées dans les événements présents qu'ils veulent transmettre. En Algérie, les positions des prêtres sont de plus en plus délicates, relayées par une presse qui déforme et des drames humains de part et d'autre, si souvent gardés sous silence. Des généraux français accusent l'évêque d'Alger, Monseigneur Duval, de traîtrise et demandent son rapatriement. Certains Européens exaspérés le surnomment Mohamed Duval. D'autres, qui le soutiennent, racontent combien il faisait le lien comme un vrai chef, disant tout simplement « Suivez-moi avec courage et confiance. » Moi, j'ai bien connu le cardinal Duval. C'était pas du tout un... C'était pas un progressiste, au sens où on pourrait entendre. C'était... Mais il a compris que le mouvement de l'histoire, c'était l'indépendance du peuple algérien. Quand bien même l'Algérie avait un statut spécial de 3 départements français depuis longtemps...
Mais l'Inde était devenue indépendante. La plupart des pays colonisés par la France en Afrique noire étaient devenus indépendants. Le Maroc était devenu indépendant. La Tunisie était devenue indépendante. Donc l'Algérie, c'était inéluctable. Voilà. Et il a fallu faire ce choix. En tout cas, c'était le choix de Monseigneur Duval et d'un certain nombre de prêtres d'Algérie de dire, eh bien, voilà, l'histoire a tourné et maintenant, il faut être avec le peuple algérien qui réclame légitimement son indépendance. Donc ça a été crucifiant pour, je pense, pour si bien le cardinal Duval que pour les prêtres qui pouvaient être eux-mêmes nés en Algérie, certains étaient nés en Algérie, mais aussi d'autres qui étaient venus rejoindre l'Algérie et qui étaient solidaires de ce peuple européen. Ça a été crucifiant. Comment abandonner ces amitiés si profondes, tissées depuis l'enfance? Comment imaginer s'exiler dans un pays qui n'a jamais été le sien? Arracher ses racines et s'envoler loin de la terre où reposent ses parents, ses grands-parents et quelquefois ses enfants. Au-delà des haines et des trahisons engendrées par la guerre, il demeure encore tant d'amour entre certains Arabes et certains pieds noirs. De l'autre côté de la mer, pourtant, l'engagement de communautés chrétiennes pour faciliter l'accession à l'indépendance de l'Algérie se poursuit, avec son lot d'arrestations, de perquisitions, d'emprisonnements. Au Prado de Lyon, l'équipe du père Albert Carteron, surnommée affectueusement par les Algériens « Elbir », c'est-à-dire « le puits » en arabe, pour son silence, est arrêtée. En plus d'avoir aidé des familles de détenus algériens, leur procurant nourriture et vêtements, ils ont caché des documents importants du FLN qu'un ami du père Carteron leur confiait. Les trois prêtres du Prado profitent de leur procès pour dénoncer les sévices et les tortures subies par les musulmans qui ont été arrêtés avec eux. L'affaire du Prado fera grand bruit. Sur l'engagement que le Prado a pu prendre à Lyon, il me semble que c'est un peu dans cette lignée d'une sorte d'aspiration à une écoute et à une reconnaissance de cette diversité. Et voilà qui avait droit de citer aussi dans cette situation et dans les aspirations à l'indépendance d'un peuple. Quoi. Le rapport entre le fait d'être prêtre du Prado dans la proximité avec les populations, quelles qu'elles soient, là où nous nous trouvons, puisqu'aujourd'hui il y a des prêtres du Prado dans plus d'une quarantaine de pays, se manifeste surtout dans la proximité avec les plus pauvres. Donc on est un peu dans cette logique d'une vie avec les peuples, avec les gens les plus simples. Et je pense que pour beaucoup d'entre eux, il y a aussi la participation à des aspirations, j'oserais dire, d'engagement ou de croissance humaine et surtout de respect de la dignité humaine. L'engagement vient toujours dans la connaissance du fondateur du Prado, du père Chevrier. Et donc d'une part, il y a un élan spirituel, mais pas pour se détacher du contexte de vie, de l'histoire. Au contraire, le père Chevrier dit « J'ai fait le choix de suivre de plus près Jésus-Christ pour trouver dans cette décision l'efficacité d'une mission. » Parce que toujours on est appelé à devenir disciple, toujours on est appelé à redire soi-même devant le Christ, l'accueillir et aussi regarder où le Christ t'oriente, où est-il aujourd'hui, sinon dans les contextes, dans les gens qu'on rencontre. L'échange, la rencontre avec les autres, c'est eux qui me parlent de Dieu aussi. C'est-à-dire que découvrir Dieu, alors on le découvre, j'allais dire pour moi, la place de la parole est importante, mais s'il n'y a pas une rencontre avec les gens de notre quotidien, moi j'aime beaucoup une femme qui s'appelle Madeleine Delbrel qui disait c'est dans la vie ordinaire aussi qu'on avance et qu'on découvre ce Dieu. Il n'y a pas Dieu d'un côté et les hommes de l'autre, c'est les autres qui me parlent de Dieu. C'est pour ça que la rencontre est importante aussi. Et ils en parlent aussi avec leur révolte, leur souffrance. Et ça fait pour moi un Dieu qui est incarné dans ces souffrances des hommes et des femmes. C'est-à-dire que Dieu n'est pas comme une puissance au-dessus de moi. Enfin, c'est à travers ce que vit chacun que je découvre qu'il y a un Dieu qui va être présent à ce qui fait nos vies. Il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part,
il y en a d'autres qu'ils laissent dans la masse, qu'ils ne retirent pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Ce Dieu auquel on croit, il est quand même un peu dérangeant. Il fait le choix des petits et des pauvres, et il fait le choix de l'abaissement et du service. Comment, dans la construction d'une société, ça s'est revisité, quoi. Et ceux qui ont vécu en Algérie, mais bien ailleurs, en France aussi, c'est cette ligne-là qu'ils ont engagée. Dans la rencontre de la culture et des personnes, en recevant d'eux, nous informant et nous questionnant, nous permettant de nous questionner différemment sur l'enjeu de la foi et le sens de l'existence. Pour nous chrétiens, ce Dieu du Sinaï s'est fait connaître par Jésus-Christ et son Église, comme étant notre Père, comme ayant dessein de rassembler effectivement tous les hommes dans sa famille, dans une société de frères. Et par son Esprit, il veut nous communiquer son amour universel et désintéressé, afin que nous nous aimions les uns les autres de l'amour même de Dieu dont il nous aime. C'est ce que nous appelons la charité. Et cette charité, si elle est vraiment présente dans nos cœurs, doit nous commander certaines attitudes précises, en particulier celle-ci. Interdiction de porter condamnation contre telle ou telle catégorie d'hommes sous le seul prétexte qu'ils appartiennent à telle classe, nation, race ou civilisation. Interdiction de nourrir en nous quelques complexes de supériorité pour raison d'appartenance à telle classe, race, nation ou civilisation. Nous savons, nous chrétiens, que le péché où la barbarie ont leurs racines dans le cœur de l'homme, que tout homme, quel qu'il soit, est susceptible, s'il est dominé par ses passions, de se laisser entraîner aux pires dégradations. Pour le chrétien, en face de la misère humaine, il n'y a plus ni patrie, ni ami, ni ennemi. Il n'y a plus que Jésus-Christ qui nous appelle au secours. La guerre tue, déchire, torture, désespère. La guerre, avec ses drames où les humains sont quelquefois devenus de simples pions sur un échiquier inutile. Des prêtres venant de différentes communautés refusent de partir. Plutôt l'insoumission que de participer à cette hypocrite et criminelle pacification. Terme toujours employé par le gouvernement français. Tandis que la guerre poursuit son escalade, les prêtres engagés poursuivent inlassablement leur mission fondamentale d'information. Ce qui est important, c'est qu'à la Mission de France, il y a effectivement des éléments à l'avant-garde du combat, qui ont la connaissance de la réalité et qui veulent agir. Donc on a là des noms comme Jean Hervoas, Robert Davzy, Joby Kerlan, Pierre Mamet, Bernard Boudouresque. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui veulent que l'institution tout entière prenne position. Et en janvier 1958, au mois de janvier, du 22 au 24 janvier, il y a une session consacrée à l'Algérie qui réunit des représentants de toutes les équipes de la Mission de France. Et à l'occasion de ces rencontres-là, les prêtres les plus mobilisés
veulent que le cardinal Liénard rende des conclusions qui dénoncent non seulement la torture et qui soutiennent le droit à l'indépendance des Algériens. Et donc on est quand même qu'en janvier 1958, et à l'issue de ces journées de réflexion, dans la nuit, après des débats houleux et après des débats et des contradictions avec le cardinal Liénard, ils arrivent à faire signer un texte par le cardinal Liénard, qui sont ce qu'on va appeler les conclusions de mars 1958, puisqu'elles vont paraître dans la Lettre aux Communautés, le journal de la Mission de France en mars 1958, est largement reprise dans la presse. Et dans ce texte, on peut lire « Il n'est pas traître à sa patrie, le chrétien qui exige le respect des droits des autres. Il ne démoralise ni l'armée, ni la nation. Le chrétien qui condamne certaines méthodes inhumaines. Il est au contraire fidèle à sa patrie, en essayant de promouvoir sa vraie grandeur. Prêtre de l'Église catholique, fondée par le Christ pour toutes les races et toutes les civilisations de la terre, nous n'avons pas le droit de nous enfermer dans des vues étroitement nationalistes. Nous devons témoigner que l'Église ne se confond avec aucune nation déjà existante. Elle considère comme un bien la formation de nations nouvelles. » La Mission de France prend officiellement position en faveur de l'indépendance du peuple algérien. Face à cette décision, la presse applaudit ou s'indigne avec violence. Notre stupéfaction et notre douleur sont telles que nous n'arrivons pas à croire que cet abrégé des thèses anti-françaises ait reçu, comme on nous le dit, l'approbation du cardinal Liénard. Le vicaire de la Mission, Jean Vinatier, réagit en expliquant ce qu'est pour lui être un vrai patriote français. Croyez que notre amour de la France reste sans faille. Nos jeunes séminaristes, comme ceux de tous les autres diocèses, servent cette France en ce moment, en Algérie. Nos communautés là-bas essayent de répondre à ces appels inlassablement répétés du grand évêque et Monseigneur Duval pour faire des ponts entre musulmans et chrétiens, entre arabes et français, dans une amitié loyale. Mais, malgré les appels successifs et désespérés pour la paix, la spirale infernale de violence s'intensifie et les attentats succèdent aux tortures qui succèdent aux attentats. Et dans le cadre de cette vague d'attentats, un attentat est décidé contre Jacques Soustelle, alors ministre de l'Information, qui a lieu le 15 septembre 1958, avenue de Friedland à Paris. Et le militant qui a tiré sur Jacques Soustelle, c'est Robert Davzy qui lui a fait passer la frontière. Il a ensuite été hébergé par Bernard Boudouresque et le frère et la sœur de Robert Davzy. Donc, lorsqu'il est arrêté, il est dans la voiture de la police promené dans les quartiers. On lui demande aussi qu'il a été hébergé. Il retrouve les appartements de ces trois personnes. Donc, du coup, ils sont arrêtés. Et très vite, la Mission de France tout entière est soupçonnée d'apporter une aide logistique au FLN. Donc, 23 communautés de la Mission de France vont être perquisitionnées en octobre 1958, le séminaire de Pontigny, le secrétariat. Et on cherche donc si ces communautés cachent des armes et si ils cachent Robert Davezy, qui est lui prévenu par Emmanuel Deschamps qu'on le recherche. Donc il va se cacher à Paris et ensuite partir à Cologne. Robert Davezy sera arrêté quelques mois plus tard, comme son ami Bernard Boudouresque. Les charges contre le père pèsent lourd. Même si nombre de ses amis ou partisans de son engagement essayent en vain de le faire libérer, comme l'écrivain catholique François Mauriac, toute une partie de l'opinion qualifie le prêtre de terroriste. Lettre pastorale du cardinal Liénard, 10 octobre 1956. Bernard fut incarcéré à la prison de Fresnes le 15 octobre 1958 et reçut la visite du cardinal Liénard qui l'embrassa à la grande surprise des gardiens. Se liant d'amitié avec ses co-détenus algériens, célébrant la messe dans sa cellule, il resta incarcéré jusqu'au 4 février 1959. Date à laquelle il fut mis en liberté provisoire. Les procès des chrétiens progressistes se succèdent en cascade, comme celui du père Jean-Claude Barthès, vicaire dans la banlieue d'Alger, qui avait hébergé un jeune nationaliste algérien échappé d'un camp de regroupement. Il portait encore des traces de torture, ou Joby Kerland, arrêté pour son action en faveur des nationalistes et accusé d'avoir dactylographié et renéoté un tract à la demande du responsable FLN, Mohamed Rabiaï. Ou encore Pierre Mamé, qui venu à la barre lors du procès d'un combattant FLN, Mohamed Ben Sadok,
soutient publiquement le condamné et fait une déclaration spectaculaire. Si je suis là, c'est parce que je me sens directement liée à Mohamed Ben Sadok, sans pour autant l'avoir jamais connu. Liée à lui, parce que dans ma chair, il y a tous ceux que j'ai connus, tous ceux avec qui j'ai travaillé et que j'ai aimé. Tout ce qui touche à l'Algérie me touche. Le complot des chrétiens progressistes devant le tribunal des forces armées attise les passions. Monseigneur Duval intervient dans les procès pour défendre ses chrétiens. Tandis que, de l'autre côté de la Méditerranée, les réunions clandestines se poursuivent pour alerter inlassablement sur la monstrueuse réalité de la guerre. Qu'est-ce que cela sera quand nous serons partis et que nos officiers auront la main haute sur eux? Encore un témoignage d'un séminariste qui montre que tant qu'on est présent au milieu d'eux, l'image du séminariste, l'image du prêtre, elle interpelle quand même les soldats qui se disent « Mais jusqu'où je peux aller ou jusqu'où je n'irai pas ?» Le 14 janvier 1959, le séminariste de la mission Jean-Claude Rodary, qui avait tout d'abord refusé de partir en déclarant « Je refuserai d'obéir à tout ordre qui serait contraire à la morale chrétienne », est tué dans les Aurès. Très lié avec la population autochtone, sa mort enflamme le débat sur l'insoumission des prêtres et des jeunes séminaristes qui refusent de servir l'armée française en Algérie. Les souffrances étaient là, avec la peur de perdre son âme et la peur de mourir. Quand même, le climat était extrêmement difficile parce qu'on était dans un climat de peur. Moi, quand je partais en patrouille, je me disais, est-ce que tu vas revenir? Ben voilà, on est là pris, on est pris dans un truc, et puis on n'a plus rien à y faire, il faut obéir, quoi. Il n'y a rien à faire. On ne peut que gérer au fur et à mesure. Pas évident, hein. Il y a une pression telle, il y a peu à peu une peur qui vous saisit là. Et là, j'ai quelques passages que je raconte dans mon livre là, qui sont chez moi absolument intacts. Les larmes, les déchirures, les trahisons, les massacres, les tortures, les exactions sanglantes, les attentats qui répondaient aux attentats, les jeunes vies fauchées en pleine course. Tous ces drames auraient-ils pu être évités ? Si la parole de ces prêtres avait été mieux comprise. Une parole qui se voulait avant tout un hymne à l'amour et au respect du plus petit d'entre nous. Un appel désespéré à ce qui devrait toujours lier les peuples du monde entier à travers les âges. L'appel de la paix. L'histoire aurait-elle pu alors écrire autrement cette page si douloureuse de l'indépendance algérienne ? Les cicatrices de part et d'autre de la mer auront tant de mal à se refermer. Les regards auront tant de mal aussi à se rencontrer, se respecter, se comprendre. Et pourtant, le Mektoub était écrit depuis si longtemps. Ce destin qui appelle l'humanité à vivre libre. C'est une belle page d'histoire de l'Église. Une Église qui témoigne de sa foi en faveur des opprimés, quoi. Alors effectivement, on peut les critiquer en disant qu'ils prennent des positions de gauche ou des positions politiques ou pour qui a lu la Bible. La question de justice, de défense, selon les mots qui reviennent toujours, la défense de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger,
c'est fondamental dans la Bible. Je dirais à toutes les pages, on retrouve ça. C'est un choix.